Eh ben, je m'appelle Diana Guinut, je suis éleveur propriétaire driver, passionnée des courses depuis toujours. J'ai aujourd'hui la volonté de m'engager avec vous et pour vous. J'ai envie de m'engager à l'UFCH parce que si mes enfants ont choisi un chemin professionnel différent, c'est pour l'avenir des professionnels, des jeunes professionnels d'aujourd'hui qui ont besoin de nous et je m'engage. S'ils m'accordent leur confiance, je veillerai à ce que la réforme essentielle pour l'avenir de l'institution soit mise en œuvre. Lutter plus efficacement contre le dopage pour que la compétition soit plus équitable entre les socio-pros, mais aussi pour regagner la confiance des turfistes. Pour reprendre une célèbre fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Je fais le vœu que demain, selon que nous serons puissants ou petits, nous serons traités à égalité sur les sujets. Eh bien, il faut mettre un laboratoire indépendant pour qu'on puisse avoir justement une égalité et des prélèvements qui soient à la hauteur de ce qu'ils doivent être aujourd'hui. Ouais, j'ai amené quelques familles de mon entourage qui ne connaissaient pas les courses. Et ils ont vraiment aimé l'ambiance, ils ont joué, et d'ailleurs ils se sont pris au jeu. La fois d'après, ils sont venus nous voir aux courses. Et voilà, ils sont vraiment, c'est des gens passionnés qui connaissent pas le monde des courses sur les hippodromes. Ils aiment le jeu, l'ambiance. Il faut vraiment qu'on redonne une ambiance sur les hippodromes, que les gens ont vraiment besoin et ont envie de venir sur les hippodromes. J'ai amené vraiment des familles entières qui étaient complètement des gens lambda qui ne connaissaient pas du tout les courses, et toute la famille ont apprécié les courses, quoi.